Assalamu alaikum à tous les frères musulmans, je vous dis bonsoir. Et les abonnés, vous êtes là? Alors, le maître Badr Ali, je viens avec un grand secret encore pour vous. Inch'Allah. Il y a plusieurs personnes qui disent que Wayeke, il n'y a pas un nom qui peut appeler une femme. Allahu Akbar. Moi, je n'en disconviens pas, mais j'ai dit voilà un. Vous pouvez essayer cela. Si ça peut ou pas, on verra. Inch'Allah. Alors, comment pratiquer ce secret? D'abord, je vous prie de vous abonner sur notre page YouTube. N'oubliez pas de liker sur les notifications pour ne pas manquer notre vidéo prochaine. Et je vous prie de partager la vidéo au maximum pour que tous nos frères puissent avoir notre secret pour s'avantager avec ça. Les Français, c'est débrouillement débrouillé, hein? C'est comme ça. Voilà, alors. Passons aussi au sérieux. Comment cette secret en pratique, vous tous, vous les connaissez déjà, c'est Kaifasha Jamuka, mais cette nom-là, c'est venu ici en l'envers et en correct. Et son vrai nom, c'est Kaifasha Jamuka, et en l'envers, c'est Kam Jasafika. Alors, pour appeler une femme ou une personne, d'abord, vous allez écrire Kam Sa Jasafika. Vous voyez ça? Ça. Voilà, vous allez écrire Kam Sa Jasafika, Kam Jasafika une seule fois. Et vous allez mettre le nom de la personne ici au milieu. Alors, vous allez écrire Ya Asmal Manau. Une fois comme vous le voyez, vous allez mettre le nom de la personne ici. Et vous pliez ça à un petit papier. Vous écrivez sur un petit bout de papier et puis vous pliez ça. Vous allez chercher un collant rouge. Ou bien c'est une collant rouge. Bon, d'accord, tout ça devient la même. Et vous ouvrez le collant des parties et vous allez cresser un parti là, vous allez cresser ça un peu et vous allez mettre le talisman là-bas et vous allez fermer le collant encore. Et vous allez chercher un fil rouge pour attacher le collant, bien attaché. Maintenant, vous allez mettre ça au bord à la rentrée de la porte là où vous voulez que la personne vienne. C'est un travail de quelques secondes, quelques jours, quelques minutes seulement quoi. Quelques minutes, ça ne vaut pas une heure de temps. Et vous allez mettre un pont pour attacher les collants là-dessus. Voilà, à la rentrée de la porte. Et vous vous mettez en zikr. Bon, le nafla, ça dépend de vous-même. Sinon, il n'y a pas une question de nafla. Vous prenez les abdichons juste et vous asseoir. Vous allez réciter. Kaifasha Jamuka, 7777 fois. Après avoir fini ça, Kamsa Jashafika. 7777 fois. Après avoir fini ça, Ya Rabbal Khairan, 777 fois. Ya Kefi, Ya Mani'u, Ya Jami'un, Ya Shari'un, Ya Kun, Ya Fayakunu. Ya pas Kune, Ya Fayakunu. 777 fois. Vous n'allez pas finir. Non, vous n'allez pas quitter dans les siguettes. La personne va rentrer, Inch'Allah. Vous n'allez pas terminer les zikr. C'est sur le champ, c'est Kun Fayakun, comme vous le voyez. Vous n'allez pas finir la récitation. La personne va taper la porte pour venir. Mais avant de faire ces secrets, d'abord, vous devez faire les sacrifices. 12 collas rouges, c'est son sacrifice qui est là. Vous donnez ça à quelqu'un qui mange, qui croque bien le cola. Avant de venir, vous mettez dans cette secret. Je vous dis assalamu alaikum. Dans quelques heures, je viens avec une autre secret pour vous. Assalamu alaikum.